Bella donna e signori, Cempa Cempoe dans votre village, rhumatisateur! Morten, tu te souviens? On doit danser pour papa et maman. Je te rappelle que c'est tes parents, pas les miens. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'écrire? Mais hey, c'est pas notre boulot, nous, on est des marins. Dans ma famille, il y a que des aventuriers. Mon arrière-arrière-grand-père était un pirate. Mon père a fait le tour de la Terre. Et moi, je serai capitaine. Ouais! Papa! Un jour, je t'emmènerai en mer avec moi. Je veux venir avec toi. Je suis le capitaine et j'abandonnerai pas mon équipage et le navire. Je t'y crois à embêter mon poisson. Mais je l'embête pas. Tout ceci est de ta faute. Papa, quand est-ce que tu reviens? Peut-être qu'on te donne un petit coup de main. Hé, hey, je suis le capitaine, c'est moi qui donne les ordres. Gloire et longue vie à notre reine qui a toujours tort. Nous avons toujours raison. Pas content. C'est moi qui tire les ficelles. Mais qui êtes-vous? Je mangeais tranquillement au soleil quand quelque chose m'a jeté dans ce trou tout sombre. Celui qui a fait ça n'a peut-être pas compris ce qu'il faisait. Salut la compagnie. Alors, vous ne pouvez pas payer pour la pension de Morten. Mais vous êtes propriétaire d'un bateau qui vaut de l'argent. Mon papa va devoir leur vendre le bateau. Et voilà ce qui vous revient. Il faut y retourner. Mais c'est dangereux. Tout d'un coup. Eh oh, lâchez-moi. Attention, ça pique. Je dois réparer les bêtises que vous avez faites. Qui est là de retour parmi nous? Comptez pas sur moi. Accrochez-vous. Comment ça, accrochez-vous?